Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Cause, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite partie en Nika Braid. Ce mode de jeu, vraiment, sachez que si un jour vous tombez contre moi et vous me tuez, je vais péter un câble. Vraiment, autant... Oh, j'aime pas tomber contre des tryharders, je vous jure, j'aime pas tomber contre des tryharders comme ça, ça me rend dingue. Et puis, regardez, je... Putain, j'ai fait tomber une Red Bull. Ok, il y a de la merde partout. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Cause, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo, oh putain il est cool mon signe. Ce clip est tourné juste après celui où je suis en train de rager, donc c'est pas grave, on va quand même essayer de donner des petits conseils en Nika Braid. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira les amis, si ça vous plaît, laissez un petit pouce vert comme d'habitude, j'ai 3 secondes pour vous parler de ça, et ensuite abonnez-vous surtout, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ça ce serait sympa. On est avec Bonnet de Bain, alors si je me fais poutrer par un bonnet de bain, clairement j'arrête le jeu, c'est terminé. Mais qu'est-ce que tu fais gros, pourquoi tu bouffes des gapples ici? Astaghfirullah. Staff, dégage. Les MLG à 34 blocs, c'est le seul truc que j'arrive pas encore à faire. On a tapé un petit brain et on lui passe un bloc et ça c'était parfait. Bon, on va faire un petit 5-0 abonné de main parce que il parle trop. Il essaie de brain, t'as cru que j'étais ton pote. Tu dégages, tu brain rien du tout. Là je te place des petits blocs, hop. Ouh, ça c'était bien joué. Là on peut faire un truc de bâtard. C'est aller sur l'autre côté. Il était peut-être pas prêt. Il était prêt, bonnet de bain. Qu'est-ce qu'il est attentif à la partie. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, le petit strafe sur la gauche qui n'est pas passé. Hein. Un petit strafe qui est passé. Et on va mettre un petit point à bonnet de bain. Hop. Salopard. Il était paré pour cette attaque. Un petit strafe. Ok, il est où? Il est là. Et c'est terminé pour bonnet de bain. On a remarqué un point, donc ça j'aime beaucoup. Ok, il est tombé, on va passer par là. On aurait pu... On a réussi à le brain. Putain, mais qu'est-ce qu'on est bon. On n'est pas encore assez bon puisqu'on n'a pas touché le lit. Malheureusement, c'était vraiment finement joué. Très très bien tenté. D'accord, très bien, c'est tout à fait legit. Oh putain, le coup que j'ai mis, ça par contre, c'était pas legit. On va faire la technique de Spider-Man. Je sais pas si vous la connaissez, ça consiste tout simplement à aller sur le mur de l'adversaire et à faire des brains comme ceci. Ça fait avant tout paniquer l'adversaire et ensuite on saute comme ça et on marque un point. Voilà, donc les cabrines c'est vraiment très facile hein. C'est pas pour rien que j'ai 96% de win rate. Wait, who are you? 96% de win rate. Tu joues ta vie, exactement, je joue ma vie parce que, je sais pas vous, si ça vous arrive des fois de jouer sur des modes de jeu que vous détestez. Moi je déteste ça les cabrines, vraiment c'est un truc que je déteste, mais je suis pas mauvais. Donc c'est pour ça que j'y joue. Je déteste aussi ma façon de jouer, c'est-à-dire que si je tomberais sur un mec qui joue comme moi, je deviendrais, mais vraiment je deviendrais fou sa mère. Et oh là là, on a posé des blocs sur les verres. On n'a pas le droit de dire grand-chose puisqu'on l'a fait aussi, hein. On va être fair play avec bonnet de bain. Putain, c'est vrai qu'on joue contre. Tu vas où bonnet de bain? Qui suis-je? Tu fais pas de tower gros, pas avec moi hein. Ça c'est pas normal parce qu'on n'est pas censé prendre le KB comme on l'a pris. Donc en fait, vous savez pourquoi, je vais vous dire vite fait, pourquoi les gens font plein de towers en Nika Braid? Parce qu'en fait le KB est complètement différent quand t'es en tower. C'est-à-dire que le KB en vertical, en fait c'est pas du tout le même. Si tu sautes au-dessus d'un mec et qu'il tape comme ça, tu prends pas de KB, donc c'est pour ça qu'il y a plein de towers. Là j'ai fait de la merde parce que du coup il va avancer. Oula, il s'est réceptionné. Va-t-il marquer le point? Il ne le marquera pas parce qu'on est trop rapide, trop furtif. Bon sang, mais qu'est-ce qu'on est bon aujourd'hui là. Mais je pars en vacances et c'est bien pour ça que je suis en train de faire pas mal de vidéos. Parce que l'an dernier, en fait, quand j'étais parti en vacances, j'avais complètement laissé ma chaîne de côté. Mais là, j'en profite parce que on est quand même contre bonnet de bain. Ah non, ça passe. On a 4-1 ou 4-2 bonnet de bain, j'ai pas vu, je sais pas. On va peut-être refaire une petite partie. C'est facile de jouer sa vie. Et gros, je joue pas ma vie, je suis en train de commenter en même temps. Si j'avais mis... T'es nul, miskin. Eh mais gros, bonnet de bain, retiens bien mon... Tu sais que c'est moi, t'as Skype. Alors, par contre, on va pas lui dire que c'est moi. De toute façon, je me suis renommé K sur Skype. Normalement, ça passe, il va pas penser que c'est moi. Il m'a ajouté. Oh putain, c'est un développeur Java. Salut, tu pues la merde. Oh mais comment tu joues ta vie? C'est-à-dire qu'en fait j'ai fait plein de Nika Braid mais toi c'était le plus facile, genre t'es vraiment nul.
Non, c'est ce que tu joues ta mère. Si tu t'entraînes, tu pourras peut-être être plus fort, mais là, c'est vraiment pas ça. Là, il y a tout à revoir, quoi. Ouais, c'est ça. Si tu bites avec un cube, on parlera, ok. T'as dit quoi, là? Va dessiner des bites avec un cube, va jouer avec tes mains et va voter. Va dessiner des bites avec un cube. Ouais, re, j'ai dessiné quelques... Ouais, il veut plus nous parler, je crois. On l'a beaucoup trop énervé. On va lui envoyer un message quand même. Bonnet de 20. Je suis de retour, j'ai dessiné quelques bits en cube. Oh putain! Eh ouais, mec, c'était moi! Oh putain, mon téléphone! Je suis désolé de t'avoir fait rager, hein. C'était pour rigoler. Putain! Tu passes en vidéo, gros. Oh oui! Est-ce que tu veux dire quelque chose à ta famille, tes proches, quelque chose? Je voudrais faire une spéciale dédicace à qui? Dis-moi. Je sais pas. À toi, mais non, pas à moi, putain, c'est ma chaîne. T'as bien un pote, tu veux faire une dédicace à un pote? Ma petite. Allez, dépêche-toi, on est sur Fun Radio. Ta petite chérie? Ça s'appelle comment ta petite chérie? De quoi? Ta petite chérie, t'as dit? Ouais. Ça s'appelle comment? Noémie. Ah, ça, c'est un très joli nom, hein. Ah, ouais, t'as dit. Calme-toi. Bon, bah, du coup, ça faisait plaisir, hein. Je te fais bisous, hein. Moi, j'ai encore une vidéo à record. Oh, bisous, merci. Eh, je vous jure, c'est le pied de... J'espère juste que cette fois-ci, on ne va pas... Je suis encore contre lui? Non. Ah non, là, on est... Oh putain, on est contre un mec qui a mangé une gapple dès le début, quoi. Ça, c'est forcément un gars qui a envie de gagner, quoi. Hop. Non. En plus, il a L. Oh putain, il a un L. Il a un L sur sa tête. Lui, 100%, il va vouloir venir nous parler sur Skype sur le base. Ok, on est... C'est pas passé, c'est dommage. Oh, regardez, ça m'agace de faire des trucs merdiques comme ça. Vous avez vu, je lui ai donné le point, c'est incroyable quoi. Pourquoi il me dit iPhone 6 lui? J'ai cassé mon téléphone. Ok, bon, apparemment. En vertical, c'est pas du tout les mêmes. Là, on a MLG. Peut-être passer. On marque un point. C'est bien joué. C'est vraiment bien joué, on s'est réceptionné correctement. Hop, on est passé. Vous avez vu le cabé qu'il a pris? C'est ça que je disais tout à l'heure. Ok, il est tombé. C'est lui le loser en fait, il a mis un L pour lui sur sa tête, genre c'était pas pour quelqu'un d'autre. Le 5-0 est très énervant en fait, mais tu dis juste que voilà, je faisais pas le poids si tu te prends 5-0. Mais un 5-1, c'est vraiment encore plus énervant parce que tu dis merde, j'ai réussi à marquer un point quand même, donc il y avait peut-être moyen. Et tu perds. Oh, vous avez vu le brain qu'on a tapé? Ça c'était horrible, hein. J'étais sur la gauche, après j'étais sur la droite, le mec était complètement déboussolé. Putain, j'ai vraiment cassé mon téléphone, je rigole pas. Lui il veut directement Skype quoi, j'ai jamais eu ça, pourquoi tu veux Skype quoi? Nous on fait les bâtards. Ah. je suis immature sur ce jeu, vraiment genre. Allez bye. Non! Oh non! Il voulait vraiment venir sur Skype en plus, c'est trop dommage. Vas-y du coup c'est parti, on va le call. Je l'accepte. Hop. Lui, on le supprime. Hop. Et j'appelle. Faut pas lui dire que c'est moi. Ouais. Attendez, je me mute. On va pas lui dire que c'est moi. On va juste parler normalement. Je vais même pas essayer de modifier ma voix ou quoi. Et on va voir s'il me reconnaît. Salut! Tu fais un Nick Cameron? Oui. Vas-y. De quoi cause? C'est le vrai. Hein? C'est le vrai? Non, moi je joue juste à Minecraft. Je suis pas cause. Non, allez. Arrête. Bah, je sais pas c'est cause si tu veux. Vas-y. Ouais. C'est pas moi, mais si tu veux, mec. Oui. C'est Thomas G30, c'est ça? Ouais. Mais si, t'es le vrai, comme sur YouTube, t'es un YouTuber. Non, pas du tout. Ah oui, si, merde. Bon, les amis, on a dû raccrocher, puisqu'il y avait ses parents derrière. Donc voilà, je vais pas déranger davantage, hein, même s'il devait être grave content. Petit truc. Wesh! Vous avez vu ça, Rich? Étrange. Je demande à voir. Royal Air Maroc, il s'envole un peu, là. Je sais pas ce qui se passe, mais... Non, par contre, lui, il cheat. Vraiment 100%. J'ai même pas besoin de jouer plus longtemps, ça se voit qu'il cheat. Royal Air Maroc. Oh non, il cheat! Il cheat 100%. Vous avez vu comment il cheat ou quoi? Vous avez vu comment il cheat? Qui... Oh, d'accord, ok. Ça passe. Bien joué. 2-0 pour Air Maroc. On va lâcher des petits L et Easy, hein. Faites pas comme moi. C'est très très rageant, mais moi, c'est juste pour qu'il m'ajoute sur Skype à la fin. Ce serait beaucoup plus amusant. Et surtout, si je lui dis ça et qu'il cheat vraiment, il va augmenter sa reach. En général, c'est ce qu'ils font les cheaters. Quand je tombe sur un cheater, je lui dis tout le temps aise et tout, machin. Comme ça, il augmente encore plus sa reach. Je le record et il est ban. 100%. Regardez, il fait des breaches. Ouais, voilà, ok, d'accord. Vous avez vu le coup? Est-ce que vous avez vu le coup? Ouais, il est où?
Fils de pute. Trop ce que je lui ai mis. C'est terrible. Nul. Ça veut dire nul. Là, je crois qu'il est vraiment très énervé. On va voir s'il a augmenté sa reach. Attendez. On va voir si ma théorie était bonne. Vous avez vu comment là, ça marche à tous les coups. Dès que vous tombez sur un cheater, puis ça lâche DS. Oh là là, mais c'est quoi cette commu, sans déconner. Eh les gars, je lui lâche DS et tout. Il augmente sa reach comme un porc. Oh, puis là, je marque un point horrible. Allez, Ez, on va lui dire un petit truc qui fait bien rager. Alors, je vais vous donner quelques mots qui font bien rager. Vous dites suivant. Suivant, c'est bien, ça fait beaucoup rager. Vous dites pas très fort. Ça, c'est pas mal aussi. Ou juste nul en général. Nul, ça marche très bien aussi. Bon bah les gars, cette vidéo se terminera sur ce petit cheater Royal Air Maroc. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, c'était une petite vidéo en solo, elle était complètement improvisée, c'est passé plein de trucs en tout cas dans cette vidéo, on a rencontré Thomas, on a rencontré un autre gars tout à l'heure, qui s'énerve, un développeur qui a cassé son téléphone, c'est incroyable ça. Et on a rencontré Royal Air Maroc, voilà, on a fait un petit peu le tour de la communauté, on a croisé toutes sortes de personnes finalement quand ils pensent. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous dis ciao tout le monde, portez-vous bien à la prochaine, c'était Cause. Je comprends plus R, compense vulgaire avec des produits bizarres. Enfant du père, je m'en branle du blé. Marche sans conscience comme un octambulaire. Sous les rayons lunaires, je vois mes forces décuplées. Je suis dans le labo, s'il le faut, je te découpe là. Je suis qu'un fougas, je pisse sur tes fagots. Depuis que j'ai la fougue, je crache que du fuego. Soir 100 et 5, on a roulé 10 icônes. J'ai pas le droit de canner, y'a tout des billets, j'ai des canettes. 2-3 icônes, vas-y.